Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Playroom sur un épisode de Starbound V5 Glad Giraffe. Donc, chers amis, nous cherchons une nouvelle planète sur laquelle nous mettre tout simplement en orbite. Et ça pourrait être intéressant d'aller sur un. Non, ils sont vides, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais failli dire une bêtise. Les astéroïdes sont vides maintenant. Faut que j'y pense, ça fait plusieurs fois que je vous y emmène. Ça ne sert à rien. Je vais en profiter, non, hop, je vais en profiter pour aller mettre mes graines et tout ce qui s'ensuit à l'abri. Alors, hop, la bouffe et des tas de bonnes choses. Hop, hop, hop. Ici aussi. Crac. Parfait. Parfait, parfait. Hop. Crac. Et nous descendons sur la planète. Donc de type désert, hein, chers amis. Hop. Oh. Avec donc une partie de... C'est une tortue. Et je n'ai pas de... Oh merde. Si, j'en ai. J'en ai 9. C'est une tortue et il faut que je la prenne. Hop. Voilà. On va récupérer un petit peu à nouveau de Healing Water. Je crois qu'on n'avait pas récupéré encore dans cette aventure, chers amis. Hop. Ce qui veut dire potentiellement que tous ces monstres, en fait, nous sont inconnus. Hop. Par contre, ça c'est extrêmement pratique pour récupérer des ressources. Une souris ? Serait-ce une souris, chers amis ? Et des corbeaux au-dessus ? Raté. Oh ! Touché ! Alors, où est cette souris ? Je la vois partir en courant. Hop, on l'a eu. Alors. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme nouveauté? Qu'est-ce qu'il pourrait... Est-ce que ça va plus vite avec ça d'ailleurs en fait? C'est pas mal non plus. Hop. On a assez de ces oiseaux de malheur. Marche pas? Marche pas la télé. D'accord, pourquoi pas. Ah allez, il y a un coffre, je l'avais pas vu, dis donc. Alors, on y trouve. Ok. Shelf. Le blowgun. D'accord. Qui fait des dégâts de poison, pourquoi pas. Pourquoi pas, hop. Ok. Et dorénavant, on peut récupérer. Hop. Ceci. Hop. Foutu Aviane, je vous hais. Et remarque. Vous avez que Puik en armement, on est sur une planète de niveau de Jontle. Vous êtes naze en fait. Yo les filles. Ah, elles m'ont quand même fait des dégâts. Hein. Le coup du lance-grenade. Yo les filles. Hop. Ça ne sert à rien. Hé hey. Bouh. Il a survécu le... Ils sont solides hein. Ah, j'ai changé d'arme aussi, je me suis complètement chié dessus. Je me suis planté d'arme. Hop. Ah oui, c'est vrai, on prend quand même des dégâts, ça c'est débile. Voilà. Hop, parfait. Crac. Ok, j'ai pas utilisé une chier. Alors qu'habituellement ça se fait pas. Hop, c'est pas grave. Un corbeau. Hop, je déteste les corbeaux. Il y avait un coffre dans cette maison. Hop. On l'avait déjà. Hop, on en ressort.
D'accord, elle a atterri vachement loin en fait. Alors. Ok. J'en sors pas trop mal hein, malgré tout. Alors, une de ces fameuses griffes. Alors je vous demande toujours, chers amis, si vous savez comment ça se passe. Comment on fait pour améliorer donc les gants et tout ça. Parce que j'ai pas encore trouvé de plan ni rien. Putain, il est résistant ce mec. Oh les cons. Oh, oh là là, oh, d'accord. C'est l'arme qui considère qu'il est trop long en fait, entre guillemets. Si on peut dire ça comme ça. Bon. What the... T'aimes pas? T'es un robot? Oh. Ça y est, je comprends. Ça y est, je viens de comprendre. Alors, du heal, c'est parfait. Ah, j'ai raté la souris, dommage. Hop, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hop. Bonjour. Sympa cet endroit. C'est un peu mort mais c'est sympa. Rien du tout. Rien du tout non plus. Ok, problème résolu. Des pixels. Hop. Alors, alors. Oh, un ver de terre, j'en ai déjà. Espèce de caméléon, là. Alors, Pascal. Voyez comme il est solide. Hop. Tu vas me lâcher, oui? La vache, ils sont nombreux. On va se mettre sur le plat. Hop, parfait. Et on se barre. Attendez, il y en a encore un là. Hop. Je regardais si vous pouvez pas me donner genre des circuits imprimés ou n'importe quoi. Vous savez, les trucs pour justement pour normalement améliorer tout cet équipement. Mais jusque là, je n'ai rien eu. Oh, c'était un truc pour améliorer un équipement en soi, hein, mais c'est pas ce que je recherche. Alors. Oh. Ça a l'air très particulier comme bâtisse. Hop. Ok, pourquoi pas. Iron Hunting Spear. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça va se casser la gueule. Hop, voilà. Oh, bonjour. Ah! Arrière, vile créature. Hop. Le pistolet à eau. Et ses dégâts hallucinants. Hop, raté. Donc là, il y a clairement... des gens enterrés en dessous, oui, mais c'est pas ce que je voulais dire à la base, mais écoutez, pourquoi pas. Ok. Hop, j'ai vu les diamants, chers amis, mais j'ai eu la grosse flemme, à vrai dire.
Ah bonjour. Crac. J'imagine bien mon personnage en train de tendre le bras pour essayer de choper ce qu'il y a dans le coffre. Hop. Bon, pas grand-chose, hein. Mais je pense que je vais aller m'en renseigner. Bon, vous savez quoi? Ellipse. Ellipse, 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 ellipse. Non, on va faire l'ellipse quand j'aurai réussi à faire le tour de la planète une fois. Ce sera pas plus mal. Hop. Aïe, raté. Ah bla, c'est pas ce que je voulais faire. What? Merci. Hop. Parfait. Ok, donc on a fait le tour. Donc je remonte sur le vaisseau et je vous fais une petite ellipse, chers amis. Je reviens. Re, chers amis. Alors, pouah. De mauvaises nouvelles en mauvaises nouvelles, comme dirait l'autre. Hein. Apparemment, il faut bien des schémas. Hein. Il faudrait bien des schémas. Donc, du coup, on va sortir de ce système. Pour la forme, je vais peut-être me mettre en 0. Mince. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je vais me mettre en 0. Et en 0 ici. Et on a forcément une fiery ici. Avec du volcanique. Peut-être pas prendre du fiery. Ou alors, faudrait trouver du fiery Oedis, du fiery en. En comment que s'appelle? En Midnight. Qui doit être assez rare. Hein. 4. Donc 5. 6. Rien du tout. Et 7. Donc, pas de bol. Frozen World, ça marche aussi. Ah bla, j'ai pas assez de carburant. Fuel. Crac. On y va. Et on va refuel. On peut refouler un plein complet? Non, pas du tout. Catastrophe, chers amis. Bon, je fais une ellipse et je vous retrouve tout de suite. Voilà, re, chers amis. Donc on descend sur la planète. Hop. Et donc on va essayer de fermer les coffres. Hein. Les coffres et les. Bah, tout ce qui va avec. Hein, tous les coffres de ces planètes. Oh non. Oh non. Dégage. Dégage. Hop, c'est bon. Oh, il a été rentable celui-là. Hop. Apparemment, je n'ai touché aucun ennemi. Alors que j'aurais dû, je pense. Hein. Hop. Parfait. Un coffre. Nous cherchons donc des blueprints, hein, littéralement. Hein, des. Hop. Des schémas pour l'armement. Tout simplement. Alors. Normalement, ils sont plus dans les coffres. Mais qui sait, peut-être avec un peu de chance. Ah, il y avait une saloperie. Hop. Voilà. Par exemple, là, on n'a pas de chance. Hop. Hop. Parfait. On a vraiment pas de chance. Aïe. Casse-toi! Hop! Parfait. Dans ce coffre, on a le pantalon du Yeti. Et la couronne d'Elsa.
Je voudrais un bonhomme de neige. Oh, viens jouer avec moi. Non, c'est pas Elsa, celle-là, c'est l'autre, c'est Anna. Oh putain. Le simple fait que je m'en souvienne me colle la honte, hein, faut l'avouer. Hein. Hop. Rien là-bas. Un gros conteneur, ça me surprend. Hein. Hop, le torse du Yeti. Machine à glace, le lit de glace. Hop. Bon, bah, je vais récupérer tout. Hein. Hop. Alors, le simple fait que je ne puisse pas choper le truc me fait chier. Parce que ça veut dire que le moment venu, ça se trouve, je vais pouvoir louper un. Remarque, au moins, il sera highlighté, entre guillemets, comme on dit. Hein. Il sera mis en évidence. Alors, deux coffres l'un à côté de l'autre. Rien dans celui-ci. Et rien dans celui-là. Hop. Medium snowball, pourquoi pas. Alors. Un autre coffre, la Snow Infantry Pants, des auto-chips par contre en grosse quantité, c'est toujours agréable. Une zone de pêche. Ok, wow, bonjour l'ami. Hop. Un coffre. Hop. Dégage. Dégage. Que du caca. Dommage. Je n'aime pas le caca. Mais bien sûr, il y a certaines personnes qui aiment manger leur caca. Hein. Pourquoi j'ai dit bien sûr avant? Par contre, ça restera un mystère. Hein. Même pour moi. Dégage. Hop. Hop. Coffre. Non, tu n'es pas une vilaine bébête. Abruti de vilaine bébête. Ok. Bon. Là, il y avait un blueprint. Il y a des blueprints d'ailleurs. Donc là, c'est intéressant. Attention, attention, attention. Non, on l'avait déjà. Ok. Non, mais... Lâche mon copain. Mais t'es con. Abruti, fini. Hop. On repasse. Hop, du heal. Ah, on a de l'argent. Recule. T'es mauvais. Ah, moi aussi. Apprendra à me moquer de toi. Moi. Ah. Raté. Hop. Dégagé. Ah non, pas vous. Ok, j'ai eu peur qu'ils me tuent, je l'avoue. Heureusement, ils ont leur borne de soins avec eux. Hop. Hop, ils étaient pile poil entre deux. Hop. Je ne vous veux pas de mal. C'est pas évident quand on me voit arriver avec ma tenue de Yeti, mais je ne vous veux pas de mal. Alors. Alors. Vilaine bébête. Raté.
Hop. Tu m'as raté. Ah, il y a un coffre. Hop. Ah, par contre, si je peux pas récupérer ça. Ah! Arrière, ville créature. Hop. Crac. Hop. Wow. On a fait le tour. Donc maintenant, on va creuser. Dans la mine, dans la mine, dans la mine, mine, mine. C'est la suite de leur donjon, ça? Peut-être. Alors normalement, il y a très peu de chances d'en les trouver dans un donjon. Mais bon. Ok. Pas vraiment ce qui m'intéressait dans le tas. Oh, un nouvel instrument de musique. Alors on va virer. On va virer le gâteau. Hop. Il n'empêche que c'est pas par là. On va trouver quelque chose qui nous intéresse. C'est quoi ces trucs verts? En ai-je seulement déjà rencontré? Ok. Bon, les diamants là par contre je vais les récupérer parce qu'il y en a un paquet. Hop. Le rubis motu je pourrais d'ailleurs, tiens. Vu qu'il y a deux diamants dans le tas. Hop. Un peu plus de rubium. Si on peut le retransformer, imaginons. Pour moi, ça sera pas un problème. Là, il y a une grosse quantité de diamants aussi. Ok. Là, il y a une grosse quantité de diamants là aussi. Pendant, ils sont un peu plus loin à atteindre. Je sais pas pourquoi je les ai pris. J'aurais peut-être pas dû. Hop, j'ai bien vu le diamant, vous inquiétez pas, hein, mais un diamant pour... Ah, en voilà un. Saut chakram blueprint. Ok, génial. Plus ça tombe bien, on a une bonne quantité de chakram. De ce côté-là, c'est génial. Alors, donc on sait maintenant... Comment nous sommes censés les trouver? Bon, par contre, c'est pas le chakram que j'aurais espéré avoir. Diamant? Génial! Hop! Je sens que c'est une sale bête, je sais pas pourquoi. Ok, rien d'intéressant. Vous savez quoi, on va remonter, on va aller voir déjà. Après tout, on a quelque chose qu'on peut crafter. Enfin, qu'on peut peut-être crafter, parce que c'est pas dit encore. Hein. C'est pas encore dit, chers amis. Le craft, ça se situe par là. Crac. Merci. So. Aha. Ah, faut que j'aille désactiver le truc. Bon, hop, tant pis, je gagne du temps. Je gagne du temps. Hop, et là j'en perds. Peut-être que c'est ici, remarque. Non. C'est donc bel et bien sur cette enclume. Intéressant. Hop. Saut, chakram, il nous faudrait donc 15 sharpened claw. Et je doute qu'on en ait 15.
On a 5, plus celle que j'ai potentiellement sur moi. Ça fait 6 au total. Ok. Bon, bah on n'a pas ce qu'il faut. Mais maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller directement farmer ces choses-là. Ce qui pourrait être intéressant. Hop. Trouver comment on les farme et les farmer. Ok. On va refermer ça. Hop. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, maintenant, on aura obtenu notre blueprint. On aura obtenu donc l'indication de comment trouver et comment les crafter. Donc, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, à la commenter, à la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom et donc aussi le serveur dont je vous ai parlé dans les précédents épisodes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je referai peut-être des tutos sur le jeu, mais à un moment où on verra ce que je pourrai en faire. En fait, j'aimerais bien commencer les tutos. Malheureusement, comme le jeu n'étant pas sorti, beaucoup de choses vont changer en fait. Il y a trop de choses qui vont changer. Du coup, je pense que faire un tuto, ce serait un petit peu inutile. Après, si votre avis compte, si vous pensez que je devrais en faire, dites-le moi dans les commentaires et j'en ferai. Donc voilà les amis, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et hop.